Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je vous retrouve aujourd'hui bien entendu pour parler lecture. Voici la petite pile que nous allons passer en revue. Il y a de tout, manga, il y a BD et il y a bien sûr roman. On va voir cela tout de suite. Au niveau des mangas, j'ai lu ceci qui était le tome 3 et le tome 4 du Berceau des Mères aux éditions Komiku. J'ai donc terminé la série qui est en 4 tomes. J'avais lu les deux précédents et je vous en avais parlé, où on va suivre cette jeune fille qui est Monika et un petit garçon qui lui a été confié par son père, le père du petit garçon. Le père du petit garçon, qui s'appelle Evan, a un jour disparu mystérieusement en mer. Tout le monde pensait qu'il était mort, mais en fait, il n'y avait pas de corps à enterrer. Donc Monika pense que il est quelque part au-delà des mers. Et elle va embarquer sur un bateau avec le petit garçon, avec Evan, pour tenter de retrouver son père. Elle va se faire passer pour un garçon, évidemment. Et du coup, une fois sur le bateau, elle va être amenée à participer à la vie maritime, à passer du temps avec les marins. Et donc, on va la suivre dans cette aventure pour retrouver le père du petit garçon. Il y aura tout un aspect très maritime qui est présent, tout ce qui est machinerie aussi. On va s'intéresser au bateau à vapeur et à un bateau particulier qui est justement le Berceau des Mers, qui est un vaisseau assez mystérieux. Il va y avoir des personnages aussi très étranges qui vont intervenir. C'était assez sympa. Après, c'est pas une série au coup de cœur ou quelque chose qui me restera en tête très très longtemps, mais j'ai passé un bon moment. C'était agréable à suivre. J'ai bien apprécié l'ambiance sur le bateau. Au niveau des dessins, on a ce genre de choses. C'est assez agréable, c'est travaillé, c'est bien fait. Donc c'était une petite série très sympathique. Voilà, ici on a une planche pleine avec les rues de Londres, si je me souviens bien de cette partie de l'histoire. Donc voilà, c'était sympa à lire et c'était sympa aussi d'avoir une série qui ne fait pas des centaines de tomes. Toujours pour les mangas, j'ai avancé dans ma série Les Carnets de l'Apothicaire. J'ai lu le 6e et le 7e tome. Ça faisait un petit moment que j'avais plus plongé dans cette série que j'aime vraiment beaucoup. C'est une de mes petites séries mangas préférées, donc que je fais durer un petit peu exprès. Et là, j'avais envie de m'y replonger, de retrouver Mao Mao et les intrigues de cours, à tout ce qui concerne l'aspect poison, médicaments, médecine, etc. Et Mao Mao qui est un personnage très attachant. Donc c'était top de me retrouver autour de ce monde d'intrigues au palais impérial, parce qu'il se passe toujours plein de choses. Si vous connaissez pas, je vous recommande grandement de tester Les Carnets de l'Apothicaire, parce que vraiment ça vaut la peine d'être lu. Donc voilà, je vais pas plus m'étendre étant donné que c'est un 6e et un 7e tome, mais voilà, foncez, vraiment c'est très très chouette. Je pense que vous avez dû déjà en entendre parler, parce que c'est un manga qui a quand même une certaine réputation, une certaine renommée, mais vous pouvez y aller les yeux fermés, je vous assure. Alors j'ai également lu ceci qui est également un manga, c'est donc Dans l'abîme du temps par Gu Tanabe. C'est un des chefs-d'œuvre de Lovecraft, dont c'est une histoire écrite par Lovecraft qui a été mise en dessin par ce mangaka. C'est ici aux éditions Kiun, c'est les éditions où c'est tout doux ici. Je sais pas en quelle matière c'est. Ça a l'air d'être un peu un genre de cuir, mais je suis pas sûre. Alors cette histoire, on est en 1935. Et on va suivre un professeur qui est à la recherche d'une civilisation inconnue qui se trouverait au fin fond de l'Australie. Donc on va suivre cette expédition. On va apprendre que ce professeur, il a aussi vécu quelque chose d'étrange, parce qu'il est tombé dans le coma du jour au lendemain. Il est resté un bon moment dans le coma et quand il s'est endormi, eh bien, il avait l'air différent. Donc sa famille ne le reconnaissait pas, il avait des attitudes très particulières, il était à fond dans les recherches, dans l'apprentissage, il a commencé à lire plein de livres, à faire plein d'expéditions et ça avait l'air d'être complètement un autre homme. Donc suite à ça, eh bien, il a perdu sa femme, il a perdu plusieurs de ses enfants. Il y a seulement un de ses fils qui est resté auprès de lui. Et je pense que si je me rappelle bien, cet état a duré quelques années.
Et à un moment donné, il s'est de nouveau réveillé et là, il avait l'air d'être revenu à lui, d'être de retour dans son propre corps. Et il va essayer de comprendre ce qui lui est arrivé parce qu'il a des genres de flashs très bizarres. Et du coup, il a cette intuition par rapport à cette civilisation inconnue qui se trouve au fin fond de l'Australie, du désert de l'Australie. Et du coup, on va suivre cette expédition et cette recherche. Et c'était très agréable, ce manga, il est vraiment magnifique. Je vais vous montrer un peu les dessins, le travail, le détail de ces dessins, c'est vraiment magnifique. Je vous montre le début comme ça, vous n'avez pas trop d'informations, mais au niveau graphique, c'est absolument splendide. Moi, j'ai adoré. Alors, c'est très sombre, hein, c'est très noir, comme vous pouvez le remarquer. On est très, très bien immergé dans cette histoire qui est assez glaçante, qui est très inquiétante, qui est parfois malaisante. Mais j'ai adoré découvrir via le manga. Cette histoire, je la connaissais parce que je l'avais lue en roman. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié aussi la découvrir via ce type de support. C'était vraiment top. L'immersion est incroyable et ça fait froid dans le dos par moments. Je vous recommande vraiment, si vous avez envie de découvrir Lovecraft, c'est un univers assez particulier. Hein. Ce qu'il propose, c'est assez spécial. Il faut aimer tout ce qui est un peu noir et fantastique, science-fiction. Donc, mais si vous avez envie de découvrir et que vous avez peut-être pas trop envie de vous plonger dans un roman, je pense que ceci peut tout à fait convenir et un petit peu nous plonger dans cet univers. Donc, c'était incroyable. J'ai beaucoup apprécié. C'est le seul que j'ai de cette collection de mangas. Malheureusement dans un sens parce que ça m'a vraiment beaucoup plu et je trouve que le travail fait par Gutanabe est vraiment incroyable. Je connaissais pas, j'ai découvert avec celui-ci et je trouve que ce qu'il fait c'est absolument splendide. Donc, j'ai passé un très très bon moment avec ce manga, avec cette lecture et j'ai beaucoup apprécié. Alors j'ai lu le second tome de Jardin des Fées de Alouette et Moretti. C'est donc La Petite Reine aux éditions Dracou. J'avais lu le premier tome que j'avais beaucoup aimé et donc j'avais envie de continuer et c'était vraiment très très chouette. Je vais pas vous raconter ce que ça raconte étant donné que c'est un second tome, mais on est dans le domaine des fées, ben ça on s'en doute. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Lucie qui va arriver sur un domaine qui a l'air assez mal en point et elle va découvrir en fait qu'il y a le monde des fées qui est caché dans ce jardin, qui a une malédiction qui est en cours depuis des années. C'est une histoire de secret de famille et elle a le pouvoir justement de voir ces fées et elle va tout faire pour les aider. Parce qu'elles ont besoin de son aide, besoin d'une nouvelle gardienne. Et du coup, on l'accompagne. Et c'était vraiment top. J'ai beaucoup apprécié ce second tome. Il se passe plein de choses. Les dessins sont magnifiques. Je vous montre quelques planches. Voilà, encore ceci. Mais c'est très très beau. Et l'histoire est très sympa, il y a pas mal de choses qui se passent, il y a de l'action. Ça va parler donc de fées, de chasseurs de fées, de malédictions, de magie aussi, vu que les fées accordent des vœux. Ça va traiter de la nature, ce genre de thématique et c'est très très bien fait. Donc je peux tout à fait vous recommander cette BD. Alors j'ai également terminé celui-ci, enfin, Anne de Windy Willow de Lucie Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint L'Aventure. Qui est une de mes lectures en cours depuis un petit moment, hein. Vous l'avez vu passer depuis un bon moment et j'ai adoré, c'était top. J'ai mis plein de petits marques comme ça, de petits signets, je sais pas comment on dit, des petits post-it, voilà. C'était vraiment top, c'était un très très chouette moment passé de nouveau avec Anne qui arrive à Windy Willow pour donner classe vu qu'elle a terminé ses études, elle commence à travailler et on va la suivre sur 3 ans où elle va débuter son métier d'enseignante, où elle va faire face à quelques difficultés au début. Et c'était très agréable. C'est toujours le même style, évidemment. C'est doux, c'est réconfortant. Il y a aussi un échange épistolaire qui est présent ici où
Anne écrit à Gilbert. Je vous montre, voilà, ça commence comme ça, donc c'est une lettre. Et on va avoir quand même pas mal de lettres, donc où elle raconte en fait à Gilbert, son amoureux, comment ça se passe, sa vie à Windy Willow, ce qu'elle découvre avec son langage, avec ses yeux. Ah, c'était très agréable aussi d'avoir ce genre de petites lettres qui coupent le récit. Voilà, c'était vraiment très très bien. Je vous conseille et je vous recommande grandement cette série si vous ne l'avez pas encore découverte. Ceci est le 4e tome, il y en a plusieurs encore, donc j'ai de quoi faire et je vais poursuivre bien entendu toujours avec grand plaisir cette histoire et suivre Anne au fil des années. Les couvertures sont à chaque fois absolument magnifiques, la qualité aussi du papier est incroyable, c'est toujours très très beau, très très bien fait, donc vous pouvez foncer, il n'y a aucun souci. C'est très agréable au niveau de la mise en page aussi. Donc que du positif pour ce livre et pour cette lecture. Alors j'ai lu et terminé Anna Caritas aux éditions Kenes. C'est écrit par Patrick Isabelle et c'est le premier tome qui s'intitule Le Sacrilège. Alors on est à Anna Caritas qui est en fait un collège, un prestigieux collège, et on va suivre un petit groupe d'amis qui sont étudiants dans ce collège. Certains vivent dans le village depuis toujours, ils sont nés là-bas, et d'autres sont arrivés un peu plus tard, donc il y a un peu un mix à ce niveau-là. Et il y a un événement qui va chambouler la petite vie calme et tranquille, c'est-à-dire qu'il y a Marianne Roberts, une jeune fille qui va revenir en ville. Elle était partie il y a plusieurs années suite au décès brutal de ses parents. Il y a un mystère qui entoure cette mort, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Marianne est partie de la ville juste après, très rapidement, et là quelques années plus tard elle revient, donc ça fait beaucoup parler dans la petite ville. Et le truc c'est qu'aussi depuis son retour il y a quand même des petites choses étranges qui semblent se produire dans la ville. Et on va suivre ce groupe d'amis, principalement un jeune garçon qui s'appelle William. Ils vont organiser une soirée et au cours de cette soirée, ils vont participer à une séance de spiritisme. Ils vont utiliser un Ouija et évidemment, ça va pas bien se passer. Ils vont réveiller quelque chose qui n'aurait pas dû réveiller et du coup, les problèmes vont commencer et ne vont pas aller en s'arrangeant. Ça, c'est pour le résumé de cette histoire. Et j'ai trouvé ça très sympa. Moi, je suis très friande de films comme ça, d'horreur qui traitent d'esprit et de choses surnaturelles. Donc, j'ai apprécié avoir cette ambiance en livre. Je trouve que c'est bien fait parce que c'est pas toujours facile de justement bien transmettre cette ambiance dans les livres, je trouve, et ici c'est très très bien fait. Alors ça s'adresse à un public plutôt jeunesse, hein, young adulte, donc c'est pas non plus quelque chose qui est très flippant à lire, mais il y a quand même l'ambiance, l'atmosphère qui est bien présente, qui est assez mystérieuse, angoissante, il y a des choses inquiétantes qui se passent, donc j'ai bien apprécié cet élément-là. Il y a pas mal de suspense, il y a des choses qui sont prévisibles aussi, bien entendu, mais ça m'a pas dérangé parce que j'ai trouvé que c'était bien fait, que c'était prenant, qu'il y avait un petit suspense, que c'était bien construit. Je pense que c'est un premier tome qui est assez prometteur parce que c'est une série, il y a d'autres tomes qui suivent et qui se passent, je crois, toujours dans l'ambiance collège Anna Caritas, et j'ai hâte de découvrir la suite parce que j'ai passé un très très bon moment avec cette petite lecture. J'ai également terminé celui-ci qui est la Maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nettercott aux éditions Albin Michel Imaginaire. Ça aussi, ça fait un petit moment que vous le voyez passer. Et étant donné que c'est une belle bricasse malgré tout, j'ai reçu l'e-book en service presse. Et comme j'aime bien avoir aussi le livre papier, j'avais trouvé celui-ci sur Vinted pour très peu cher. Donc j'ai lu via la liseuse et aussi via le format papier. Donc merci encore à la maison d'édition de m'avoir envoyé l'e-book pour pouvoir découvrir cette histoire. Et c'était très sympa. Alors dans cette histoire, on va suivre une sœur et un frère qui se sont plus vus depuis très longtemps, depuis des années en fait. Ils se sont complètement perdus de vue et ils ont pris tous les deux des chemins très différents.
et ils vont être réunis un jour à cause d'un héritage. Ils vont très abruptement découvrir qu'ils sont les héritiers d'une maison particulière étant donné qu'elle a des pattes de poulet. Cette maison est intelligente aussi, elle résonne dans un sens et elle se déplace avec ses pattes de poulet. Ils vont apprendre que cette maison est originaire de Kiev, d'où est originaire aussi leur famille, à savoir la famille Yaga. Et en plus de tout ça, ils vont aussi se rendre compte que la maison est recherchée par un personnage très inquiétant qui est l'Ombre Longue, qui est un personnage... assez maléfique, en tout cas qui a l'air assez maléfique et qui recherche activement cette maison pour la détruire. Du coup, il va y avoir un petit, une petite fuite pour échapper à ce personnage qui a un pouvoir étrange, je n'en dis pas plus, et qui traque en fait la maison de poulet et du coup qui traque aussi la sœur et le frère, donc à savoir Isaac et Bellatine. Ça c'est pour le petit résumé. Alors je pense que vous l'avez compris, mais ici ça va traiter du mythe de Baba Yaga et la maison aux pattes de poulet, hein, qui est un conte qui a été pas mal de fois travaillé. Moi, je l'ai déjà vu passer quelques fois et c'est vrai que c'est un sujet que j'apprécie de manière générale. Donc, c'est pour ça aussi que j'étais très curieuse de découvrir ce récit, voir de quelle façon ça avait été amené. Donc, j'ai beaucoup apprécié cette lecture, ambiance de conte, bien entendu, de conte retravaillé, qui est assez inquiétant, assez mystérieux. C'est pas un conte tout doux et tout mignon. Après, vous allez me dire, les contes originaux, ils sont pas tout doux et trop mignons. C'est généralement très violent et agressif. Ça n'a rien à voir avec les contes de Disney. Les contes originaux ont des messages qui sont forts et qui sont généralement très violents. Donc, on est plus vers ce genre de choses. C'est pas enrobé dans du papier bulle. C'est quelque chose qui est sombre et inquiétant. J'ai beaucoup apprécié les personnages de Isaac et Bellatine, ce frère et cette sœur qui se sont perdus de vue pendant des années et qui vont se retrouver, qui vont un petit peu reconstruire leur relation perdue. Ces deux personnages que j'ai bien appréciés, surtout le personnage de Bellatine. Ils ont chacun un genre de pouvoir que Bellatine, elle apparente ça plus à une malédiction. Isaac aussi a un talent qui lui est fort utile. Et cet aspect m'a beaucoup intéressée. On va vite se rendre compte, on va vite apprendre que en fait Bellatine et Isaac, mais sans doute que vous l'avez aussi compris, sont les descendants de Baba Yaga et que du coup c'est pour ça qu'ils ont hérité de la maison aux pattes de poulet. Alors il y a quelques petites longueurs bien sûr, c'est un livre qui fait 520 pages environ. Alors oui, il y a eu quelques petites longueurs, mais moi ça ne m'a pas du tout dérangée. J'ai bien apprécié en fait passer du temps dans ce récit, même s'il faut dire que l'aventure est un petit peu longuette. Il y a clairement des passages qui auraient pu être coupés, où on aurait pu passer plus rapidement aux éléments importants, à la mission principale. Donc il y a pas mal de petites lenteurs, mais je trouve que ça colle parfaitement en fait avec le récit, avec l'ambiance conte, avec tout ce qu'on apprend sur la famille Yaga, avec tout ce qu'on apprend sur le passé, la vie de Isaac et Bellatine. C'est en fait la maison qui va nous raconter son histoire aussi, donc tout cet aspect fait que ça doit à un moment donné prendre son temps. On n'est pas dans un thriller où ça doit être addictif et rapide tout le temps. Donc moi j'ai apprécié cet élément où on est un petit peu plus posé, plus dans une ambiance justement de conte. Alors c'est un livre qui va parler de beaucoup de choses, il y a pas mal de thématiques qui sont abordées, c'est un récit qui est très engagé également, c'est un récit qui dénonce aussi pas mal de choses, donc c'est un aspect très intéressant. Je vais pas vous dire tout ce que ça dénonce parce que je pense que c'est intéressant de le découvrir, mais au niveau des thématiques, ça va parler de guerre, ça va parler de magie, ça va parler de folklore, ça va parler de famille, ça va parler de souvenirs, ça va parler d'amitié, ça va parler d'amour aussi, de drame, de malédiction. Donc il y a quand même pas mal de choses bien sûr là-dedans. C'est aussi un récit qui va parler d'identité, d'union aussi, d'acceptation. Donc il y a quand même beaucoup de thématiques, là je vous en cite quelques-unes, mais il y a davantage que cela. Donc franchement c'est un très joli voyage que j'ai fait. J'ai beaucoup apprécié la plume de l'autrice qui amène une poésie
qui est très agréable. En tout cas, moi, j'ai accroché. Sans doute que ça ne plaira pas à tout le monde, mais moi, ça m'a beaucoup plu. Le récit est très très bien construit, très bien structuré. On ne se perd pas au fil des pages. Je l'ai beaucoup apprécié du début à la fin. Alors, c'est pas un coup de cœur, c'est pas une claque, mais c'était une excellente vraiment lecture que je suis très contente d'avoir pu découvrir, qui fait réfléchir et avec lequel j'ai passé un très très bon moment. Donc voilà, très très bonne lecture pour celui-ci. La couverture est également magnifique. Donc si vous aimez les ambiances de contes avec des éléments un petit peu angoissants, avec plein de thématiques très intéressantes, avec une plume poétique qui va vous faire voyager, eh bien vous pouvez foncer. Et je termine par celui-ci. J'ai terminé la lecture de Angélion, le premier tome qui a illuminé les cieux, de Justine Tiffany aux éditions Plume Blanche. Alors, au niveau du récit, du petit résumé, on est dans un monde où il y a eu un genre de catastrophe, à savoir que avant le monde était illuminé par Angélion, à savoir l'astre sacré, mais depuis les choses ont changé, la nuit est tombée. Suite à la tombée de la nuit, eh bien, il y a des créatures qui sont apparues, qui sont appelées les damnés. Les damnés sont un danger, ce sont des créatures qui subissent une malédiction, qui sont extrêmement violents et du coup qui sont un danger pour les autres personnes. Donc on vit dans un monde où chacun se protège du mieux possible de ces damnés qui se réveillent, qui arrivent à la tombée de la nuit et qui traquent les humains. Dans cet univers, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Lilium. Lilium qui vit à Allegard, qui est une cité prestigieuse. C'est la cité du... Oh, il y a le marque-page qui glisse. C'est la cité du Fenrir, à savoir le souverain tout-puissant qui est craint par le peuple. Donc c'est une cité qui est extrêmement prestigieuse. Lilium, elle est guérisseuse, donc elle a suivi des études. Elle a toujours vécu dans la protection des murs de cette cité. C'est une jeune fille qui est orpheline, qui a été recueillie par une femme qu'elle considère du coup comme sa tante, avec aussi une autre petite fille plus jeune qu'elle. Et jusque-là, sa vie se passe de manière assez correcte, hein. Elle a une vie assez confortable, on peut dire. Mais il y a des opposants, en fait, au régime du Fenrir. Alors évidemment, les rébellions ne sont pas bien vues dans cet univers. Le chef tout-puissant n'aime pas ça du tout. Et à un moment donné, Lilium va devoir s'enfuir. Elle va être contrainte de quitter les murs de Allegard. Elle va être envoyée dans un sanctuaire parce que on va se rendre compte qu'elle a un pouvoir particulier, qu'elle a un statut assez spécial lié à Angélion, justement. Je vous donne pas trop d'informations, hein, parce que je pense que voilà, c'est assez mystérieux, mais du coup c'est un genre de personnage qui est potentiellement une élue qui va avoir un grand destin et du coup bah elle va devoir quitter tout ce qu'elle a connu jusqu'à présent pour s'enfuir et aussi pour sa propre survie. Elle va apprendre beaucoup de choses, elle va se rendre compte qu'elle a vécu vraiment dans une cage dorée, on peut dire, avec des œillères. Et là, elle va découvrir le monde, elle va découvrir qu'il y a des tensions et plein de choses. Donc ça, c'est un petit peu au niveau du résumé, je vous en dis pas trop de manière volontaire, parce que il y a beaucoup de choses déjà qui se passent dans ce roman, donc c'est pas facile de faire un résumé concis. Ça part un petit peu vers plein d'autres choses, donc je vous donne quelques éléments pour que vous ayez une histoire, un résumé global, mais après il faut vraiment se faire une idée par soi-même. Et j'ai beaucoup beaucoup apprécié cette lecture, vraiment c'était une très très belle surprise, j'ai adoré ce premier tome. Il est sorti il n'y a pas si longtemps et ça va être une trilogie, le deuxième tome va bientôt sortir d'après ce que j'ai compris, c'est vrai que le résumé me tentait bien, et quand je me suis lancée dans la lecture, je me suis dit que j'avais vraiment bien
fait de l'entamer parce que j'ai beaucoup apprécié. Alors on est dans une fantasy qui est sombre, hein, c'est pour un public adulte parce que il y a quand même de la violence. Les personnages ne sont pas épargnés. Il y a beaucoup de rebondissements. C'est très très bien construit. J'ai beaucoup apprécié parce qu'on est dans un premier tome qui est pas introductif. Alors on nous donne quelques petits éléments pour qu'on puisse plus ou moins comprendre et en même temps rester un petit peu dans le flou, mais ça nous laisse penser, en tout cas moi c'est l'impression que j'ai, qu'on aura du coup beaucoup de révélations aussi dans le second tome. Donc je trouve que c'est un bel équilibre au niveau des petites informations données pour pas tout dévoiler d'un coup, mais en même temps de pas nous laisser complètement dans le flou, de manière à bien comprendre et suivre l'histoire. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié, j'ai bien aimé la plume, j'ai trouvé que c'était addictif et prenant. Je l'ai lu assez vite, j'ai pu avoir une dédicace quand je suis allée à la foire du livre, je l'ai pris avec moi. Et j'ai eu la dédicace de l'autrice, donc je suis très contente de cela. C'est un petit détail, mais voilà, je vous en informe. Je vous recommande si vous aimez la fantasy, si vous aimez ce genre d'histoire. Les personnages sont bien construits. J'ai beaucoup apprécié le personnage principal, donc Lilium, qui est une jeune fille qui va devoir se débrouiller, qui va devoir aussi apprendre plein de choses et apprendre aussi à gérer son pouvoir, son talent. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, donc c'est des éléments qui sont crédibles également. Elle va se rendre compte de la réalité des choses, de la réalité de la vie, de tous les mystères qu'on lui a cachés, de tous les secrets qui l'entourent. Il y a également tout un secret qui tourne autour de sa naissance que j'ai hâte de découvrir aussi et d'avoir le fin mot de cette histoire, parce que de nouveau voilà, on n'a que quelques petits éléments mais pas tout nous est dévoilé, donc du coup ça donne très envie de lire la suite. Il y a pas mal d'action. Les personnages qui l'entourent sont très intéressants. La plupart, je les ai appréciés. Après, il y a des personnages détestables et c'est tout à fait logique. Donc, ceux-là, je n'ai pas aimé. On a le dirigeant qui est un bon gros méchant, hein, un personnage cruel qui est prêt à tout apparemment pour servir ses ambitions. Mais apparemment, il y a aussi un petit côté mystérieux qui l'entoure. On nous donne un petit élément qui, moi, m'a fort intriguée. Du coup, j'aimerais en savoir un petit peu plus à ce niveau-là. Donc, j'attends le tome suivant, le second tome, avec grande impatience. C'était vraiment top. C'est bien écrit. Les chapitres sont pas trop longs. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé que c'était trop long. Alors oui, les éditions plus blanches, vous savez, c'est assez dense au niveau de la mise en page. Il y a de quoi lire, donc c'est serré. L'interligne est pas très large. Il y a de quoi faire. On n'est pas lésé. Au niveau du prix, on peut pas dire qu'on est lésé. Étant donné qu'il y a de quoi lire, ça c'est aussi un élément que j'apprécie avec cette maison d'édition. La qualité est bonne au niveau du papier, etc. C'est agréable à lire malgré la densité du texte. Et étant donné que l'histoire est extrêmement prenante, moi je l'ai lu assez rapidement, ça s'est lu quasiment tout seul, donc voilà, pas de soucis à ce niveau là pour moi. Donc une très très bonne lecture avec ce premier tome, j'ai hâte d'avoir la suite et je vous recommande vraiment ce récit si vous appréciez ce genre d'univers, parce que c'est très bien fait et moi j'ai passé un très très bon moment comme je vous l'ai déjà dit. Voilà, on a fait le tour pour mes lectures faites cette semaine, maintenant je vais faire un petit point sur mes lectures en cours. Alors, j'ai commencé l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett aux éditions Sabran. J'ai commencé et je suis au chapitre... Ah, mais c'est pas des chapitres... Enfin, c'est le 22 octobre, mais du coup, il n'y a pas de nombre pour les chapitres. Je suis à la page 52 et pour l'instant, j'apprécie cette lecture. Ça va parler de fées. On va accompagner une chercheuse de fées qui est anglaise et qui va arriver... Oui, elle arrive dans un village nordique et je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais du coup, elle est au nord, il fait froid, il neige, ça la change de son Angleterre et elle va commencer ses recherches. Je suis vraiment tout au début, donc juste au moment où elle arrive dans le logement qui va lui servir pendant quelques semaines, quelques mois, le temps de ses recherches. Donc voilà, je vais un petit peu plus avancer pour pouvoir évidemment vous en parler davantage. J'ai également commencé Quelqu'un ment, qui est un thriller psychologique écrit par
Sandra J. Paul et c'est aux éditions L'Oiseau Noir. Ah, c'est un livre qui m'a été prêté par ma sœur. Elle l'a acheté au Salon du Livre à Mons de novembre de l'année dernière et du coup je lui ai emprunté pas mal de livres. Je vais peut-être vous montrer ça juste après si ça vous intéresse. Donc voilà, j'ai commencé celui-ci, j'ai lu une soixantaine de pages, une cinquantaine de pages et pour l'instant c'est sympa, c'est addictif, ça se lit tout seul, donc je vais un petit peu plus le continuer. J'ai commencé celui-ci, une lecture plus jeunesse, qui est Le garçon qui savait tout, qui est le deuxième tome de la série Piper McNimbus. C'est aux éditions Lumen et c'est écrit par Victoria Forrester. Je l'ai emprunté à la bibliothèque et c'est le premier tome, je l'avais lu, c'est La fille qui pouvait voler si je me rappelle bien, et je l'avais lu sur ma liseuse. C'était sympa mais pas incroyable, mais sympa malgré tout. Donc quand j'ai vu qu'ils avaient la suite, enfin qu'ils avaient cette collection à la bibliothèque, ça m'a donné envie de poursuivre pour ma curiosité personnelle, vu qu'on va retrouver les personnages, à savoir Piper McNimbus, qui est la fille qui pouvait voler, et un petit peu suivre tout ce petit monde et tous ces jeunes gens qui ont des pouvoirs. Donc voilà, je l'ai commencé à peine, j'ai lu les deux premiers chapitres, je suis à la page 31, donc je dois un petit peu plus l'avancer pour pouvoir vous en parler. Alors cette fois-ci, j'ai commencé celui-là, qui est Une douce odeur de pluie, de Jojo Moyes, aux éditions Hauteville. J'ai lu le prologue, mais le prologue qui est quand même assez long vu qu'il fait 45 pages, donc c'est un long prologue. J'ai commencé cette lecture, je vous en parlerai davantage une prochaine fois vu que je n'ai lu que le prologue. Ou sinon, j'ai aussi commencé celui-ci, Murmure de l'océan. J'ai eu envie de continuer sur ma lancée. Je sors mes livres des éditions Plume Blanche. Je suis au chapitre 7, à la page 85. Ici, c'est le second tome, en tout cas la suite de Rose éternelle. Parce que je me suis trompée plusieurs fois en disant le titre. C'est Rose éternelle. Qui est le premier tome, et après on a Fil d'or, c'est cette trilogie où on va aborder la revisite de contes. Le premier tome concerne La Belle et la Bête, celui-ci La Petite Sirène, et le troisième tome Réponse. Donc voilà, j'ai commencé, pour l'instant ça me plaît beaucoup, c'est fait par Ophélie Duchemin et la couverture est absolument magnifique. J'ai également commencé celui-ci qui est de mon challenge 24 livres pour 2024, à savoir Les Prodiges de l'Empire, le tome 1 d'Harry. C'est écrit par C.F. Higulden aux éditions Bragelonne. Je trouve que ces couvertures sont très jolies aussi. Ce qu'a fait Bragelonne, ça me plaît beaucoup. C'est simple, hein, mais je trouve ça très joli. Bref, je l'ai commencé. Ça se lit super bien parce que je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Je suis au chapitre 8 à la page 113 déjà. Nous sommes dans un livre qui fait 350 pages environ, donc je pense que, sauf problème majeur, il sera lu pour dimanche prochain. Donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus. On suit plusieurs personnages un petit peu en parallèle et sans doute qu'à un moment donné tout va s'emboîter, mais pour l'instant ça ne s'emboîte pas. On part de personnage en personnage. Il y a une atmosphère magique qui est présente avec plusieurs types de magie. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup pour l'instant et ça se lit très bien, donc je vais continuer. Et sinon, je suis toujours dans ma lecture de Les Jeux sont faits sur ma liseuse, où j'avance tranquillement mais sûrement. Donc voilà, ça c'est pour mon petit point lecture. Je vais vous montrer ce que j'ai emprunté chez ma sœur. Alors je lui ai emprunté celui-ci qui est Philippe, prince des épines, de la collection des princes de Disney aux éditions Hachette. J'avais lu précédemment Eric, que j'avais globalement bien apprécié, et du coup j'aimerais beaucoup découvrir celui-ci qui concerne le prince Philippe, donc de La Belle au Bois Dormant, qui me tente vraiment beaucoup. Donc voilà, très curieuse de le découvrir. Je lui ai également emprunté celui-ci, donc un autre livre de la maison d'édition L'Oiseau Noir, qui est La Compassion du Diable de Fabio M. Micheli, qui apparemment est assez trash d'après ce qu'elle m'a dit. Et après il est mis effectivement que c'est noir, brutal,
total, sans concession, terrifiant. Apparemment, c'est Bernard Minier qui a dit ça. Et du coup, ça me tente vraiment beaucoup. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Alors, je lui ai aussi pris ici Vive les ténèbres de Sanguin aux éditions du Chat Noir. Aussi un achat qu'elle a fait au Salon du Livre de Mons. Enfin, le précédent aussi d'ailleurs. Il est indiqué gothique, malédiction et fantôme. Donc, je pense que ça peut être très sympa ce genre de petite ambiance. Elle m'a dit que c'était assez mignon, donc on va pas aller vers quelque chose de trop ténébreux et trop trash à ce niveau-là, mais il me fait très envie également. Et dernière chose que je lui ai emprunté, c'est celui-ci qui est Résonance, le premier tome. C'est de nouveau aux éditions Plume Blanche et c'est fait par Morgane Rugraff. Elle l'a beaucoup apprécié. Ils font des très belles mises en page. Vous voyez, c'est comme ça. Et ça a l'air top. Je veux pas trop savoir de quoi il est question. Mais je sais que ma sœur l'a beaucoup apprécié, qu'elle attend la suite, à savoir le second tome. Donc voilà, ça va aussi être une belle brique à découvrir, vu que de nouveau c'est écrit extrêmement petit et le livre est quand même épais. Donc je sais pas exactement quand je le lirai, mais ce sera lu et voilà le dernier livre que je lui ai emprunté. Voilà, nous avons donc fait le tour. Je n'ai rien d'autre à vous dire pour aujourd'hui, mais je pense que c'est pas mal déjà. Alors je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous remercie d'être présent et d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser comme d'habitude des petits commentaires ou des petits emojis qu'on puisse discuter un petit peu. Je vous souhaite un très beau dimanche. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.